Notre association s'appelle Couleurs d'avenir, donc on est spécialisé dans le développement social urbain. Et là, on est donc à l'atelier des projets de Val-Office Sarepa à Trappes. Nous avons mené des ateliers de co-construction l'année dernière avec les habitants. On en a fait la présentation de l'outil numérique, qui est donc une plateforme qui s'appelle cliquetonquartier.fr, qui a vocation un petit peu à permettre aux habitants de proposer des idées, des projets pour développer la solidarité et améliorer le cadre de vie sur leur quartier. Et aujourd'hui, voilà, on entame une série de formations parce qu'on s'est rendu compte que les habitants avaient besoin peut-être de reprendre les bases du numérique. Donc on va faire toute une série de formations au numérique et de présentations d'enrichissement de cet outil. On a un personnel qui est extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup. Il y a une entente qui est super. Et quand on pose des questions, ils sont là pour bien nous répondre. Je pensais que le numérique, c'était pas mal, quoi. Ça vient d'un ordinateur et d'une tablette, voilà. On dit que ça allait leur permettre de vraiment travailler en lien avec le bailleur, mais également de rentrer eux-mêmes en contact, en fait, entre eux, puisque l'idée de cet outil, c'est aussi que ce soit de proposer, en fait, des actions citoyennes. Ils étaient super heureux, en fait, de se rencontrer entre eux, parce que d'habitude, ils se rencontrent qu'au sein du square. Et là, en fait, c'était tous les squares qui étaient tous réunis. Et véritablement, on a senti qu'ils étaient hyper heureux de partager même les difficultés, de voir qu'en fait, les problématiques qu'ils rencontrent, il y en a d'autres qu'en rencontrent ou des différentes. Et il y a eu des propositions. Ils ont dit, oui, mais si on mettait en place cette action-là, ensemble, peut-être que... Et voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que cet outil, il est top. Couleurs d'avenir permet de développer la participation citoyenne, le faire ensemble, en s'appuyant sur l'innovation.